Julia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente où je fabriquais ma table de soudure, là je vais percer le plateau du dessus de 200 trous, 200 trous de 16 mm. Alors, pourquoi 16 mm? Parce que c'est déjà tout simplement un standard de table de soudure. Je compte me fabriquer mes accessoires, mais voilà, si jamais un jour je veux m'acheter un accessoire spécifique, ben, je pourrais l'adapter à ma table sans problème. À la fin de cette vidéo, je parlerai un petit peu des consommables que j'utilise et tu verras, tu risques d'être étonné. Bon visionnage! Avant de commencer quoi que ce soit, je vais rectifier ma plaque. Parce que tu vois là, quand je mets une règle, ben, j'ai du jour au centre. Bon, c'est léger, hein, mais voilà, j'aimerais bien avoir une bonne planéité. Donc tu vois, j'ai les bords de la plaque qui sont un peu incurvés. C'est pas dû à mon support, c'est vraiment la plaque. Je l'ai achetée comme ça. Ils sont pas toujours voilà, à 100%. Donc je vais rectifier les bords pour gagner un petit peu et pour que ce soit nickel. Tu vois, c'est vraiment vraiment au bord, quoi. Je vais commencer par l'attaquer avec un disque à lamelles. Là, c'est un Map Tools avec un grain de 40. Ils vont super bien ces disques, ils sont relativement durables. Là, c'est le plus gros grain que j'ai, comme ça je l'attaque fort et puis j'enlève le plus gros avec ce disque. Et après, je réduirai le grain et puis je passerai sur un disque plateau, comme ça tu vois. Comme ça, ce sera vraiment bien lisse. J'ai meulé la totalité des bords qui gênaient, je suis passé à un grain plus fin, j'ai poncé, donc là je suis relativement lisse, je suis vraiment satisfait. Parce que regarde, quand je passe une règle dessus, tu vois, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Voilà, pour une table, pour un marbre à fait maison, je trouve que c'est vraiment pas mal, je suis super satisfait, hein. Maintenant que ce problème est réglé, je peux passer aux choses sérieuses. Donc là, je vais tracer mes trous. Donc, tu vois, je me fais des repères, là je laisse 5 cm de chaque côté. Et l'anthrax de mes trous, je mets 10 cm, donc je mesure toujours du bout pour être sûr de ne pas avoir de décalage entre les trous au fur et à mesure. Bon, pour être précis et pour que ça ne s'efface pas, j'utilise ce type de marqueur là. C'est un marqueur ultra fin, ça va super bien, tu es super précis avec, alors c'est pas mal du tout. Et là, je vais faire montrer au Truskin. Tu vois, j'ai un vieux Truskin, voilà, il va vraiment très bien. Comme j'ai regardé le côté de ma plaque, il est vraiment super droit, alors je me prends ça comme repère. Tu vois, ça va nickel, super vite, c'est impeccable. J'ai terminé mon calepinage, donc tu peux voir les traits de marqueur. Là, j'ai tout mon quadrillage. J'ai fait des essais au compas pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà, j'ai un compas que tu peux verrouiller. Donc j'ai vérifié un petit peu partout et franchement, c'est vraiment nickel. Maintenant, je vais pointer tout ça avec un petit pointeur automatique. Là, ça va nickel, ça va super vite. Bon, c'est le moment où il faut vraiment être précis parce que après avec la perceuse magnétique, l'huile, tout ça, j'aurais du mal à voir les traits. Alors je verrai quasiment que le coup de pointeau. Donc voilà, si je suis précis, je verrai ça nickel. Ce sera vraiment très bien. J'aurai juste à me mettre sur le coup de pointeau et puis percer. Tout est pointé, reste plus qu'à carotter. Donc voilà la bête qui va s'en charger. La carotte vient d'AliExpress. Écoute, on va voir ce que ça dit parce que j'ai calculé en tout et pour tout les 12 mm de la plaque plus le cadre que je perce bien souvent avec. Il y en a pour 29 cm d'épaisseur de ferraille à percer. Ça en fait quand même. J'ai pris deux fraises au cas où. On va voir ce que ça dit. Pour son prix, si ça marche, c'est vraiment génial. Je suis tombé à sec d'huile de coupe, j'ai remis le plein là, tu vois, il suffit de mettre dans le réservoir et ça coule par l'intérieur de la fraise, ça lubrifie vraiment super bien comme ça, c'est vraiment pas mal. J'en ai profité pour changer de fraise aussi, donc comme je t'avais dit, j'en ai acheté deux. L'autre fonctionne toujours, mais je trouvais qu'elle avait un peu de mal à recracher la pastille, donc je devais des fois aller avec une pince et la sortir, alors je passe sur celle-là. En dessous de la vidéo, je te mets un lien de la perceuse magnétique, c'est là que je l'ai trouvé le moins cher et elle est vraiment pas mal du tout. La pastille dont je parle, c'est ça, là, tu vois, ce que je sors avec ma pince. En fait, tu as toujours une pastille qui te reste, c'est l'intérieur de la carotte. Et ben là, je suis obligé de l'enlever à chaque fois manuellement parce que j'ai, comme je le disais, j'ai souvent le cadre à percer. Donc, je suis obligé d'enlever la pastille et remettre la fraise pour percer le restant. Regarde bien, même au ralenti, ça va très vite. En fait, au centre de la fraise, tu as ce qu'on appelle un éjecteur. Il vient pousser la pastille en gros pour l'éjecter tout simplement. Là tu vois je te le mets un peu plus ralenti
Tu vois la pastille vraiment partir très vite parce que c'est vraiment en tension. Il y a un ressort qui vient pousser la pastille. Comme ça, elle reste jamais dans la fraise. Et t'es pas embêté. Je trouve qu'avec un petit chanfrein, ça fait vraiment bien plus fini. Et tu vois, là, j'utilise une petite fraise à ébavurer et ça va super bien. C'est super rapide. Tu vois, c'est vraiment propre. Et ce qui est bien, c'est que même à la visseuse, tous les trous sont identiques parce que ça pénètre pas la matière. Ça te fait vraiment un léger chanfrein sur une courte hauteur et ça pénètre pas la matière. C'est ce qui est vraiment intéressant par rapport à une fraise à noyer qui pénètre vite dans la matière. C'est plus compliqué à régler la hauteur. Là, tu vois, je m'embête pas. Ça va nickel, c'est toujours pareil. Je te mets un petit lien dans la description parce que je trouve que c'est un outil vraiment très utile. Dans ces cas-là, c'est hyper rapide, c'est un gain de temps et c'est vraiment propre. Si t'en prends une de qualité, franchement, elle te dure, hein. Là, je vais faire tout le dessus, le dessous, et je te le dis, elle coupe encore. Bon, j'avoue, à bout de bras, ça va 5 minutes, hein. J'ai terminé comme ça, et ça a été super bien. J'en profite pour parler un petit peu de ces bleus-là. C'est la marque Ilcote, et franchement, c'est hyper ergonomique, hyper résistant. Si tu as l'occasion d'en voir, essaye-les parce que c'est vraiment génial. Depuis que j'ai ces bleus là, j'en changerai pour rien au monde. J'ai terminé d'ébavurer les trous, j'ai tout nettoyé et regarde-moi ça, c'est vraiment propre. Hein. J'ai fait des essais d'équerrage, c'est vraiment impeccable. Je suis vraiment content. Souder là-dessus, ça va être un plaisir. Hein. Bon, par contre, l'envers du décor, un gros saut de limaille. Regarde-moi ça, toute la limaille que ça a fait. Sans compter les pastilles. Alors, comme je te l'avais dit au début de cette vidéo, je vais te parler un petit peu des accessoires utilisés, comme cette fraise à carotter. Donc, c'est des fraises que j'ai achetées sur AliExpress. Alors, celle-ci, voilà, j'avais la pastille qui commençait à coincer un petit peu, donc je devais l'enlever manuellement, c'était un peu chiant. Et en plus, elle est un peu usée, donc elle avait un peu plus de mal à creuser la matière. Bon, j'aurais un petit peu de mal, tu verras peut-être pas bien à la vidéo là, mais je te montrerai ça de près en photo, comme ça tu pourras te faire une idée. Mais par contre, celle-ci, je te mettrai un lien parce que c'est vraiment super intéressant. J'ai pu percer, je crois, 130 trous, et franchement, elle est encore vraiment nickel. Je te mettrai une photo de près, elle est vraiment encore dans un super état. C'est vraiment intéressant. Dans ce type de fraise, tu utilises toujours un éjecteur. C'est un petit accessoire comme ça, tu vois, que tu mets à l'intérieur. Et ça sert, bah, comme son nom l'indique, à éjecter la pastille. Donc il y a un ressort dans la perceuse magnétique qui te permet de repousser très fortement la pastille et qui te l'éjecte. C'est pas comme sur une cycloche. Tu vois, là, dans la cycloche, tu peux avoir ta pastille qui est coincée à l'intérieur et c'est chiant. Là, non, elle est éjectée à l'extérieur. C'est vraiment super intéressant. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est cette fraise. Cette fraise à chanfreiner, elle est encore aussi dans un super état. Je te montrerai tout ça un petit peu plus près après. Donc c'est une fraise de chez Tivoli, une fraise, ils appellent ça une fraise à ébavurer. Et ça t'ébavure vraiment, ça te fait un léger chanfrein sur le dessus. Comme je le disais, ça pénètre pas la matière et elle est vraiment durable, quoi. C'est un accessoire, je pense vraiment à avoir, parce que si tu veux avoir un trou propre, bah, tu as juste à passer un petit coup rapidement dessus. C'est vraiment intéressant, ça ne te creuse pas la matière. Donc c'est vraiment pas mal et c'est vraiment très durable. Hein. J'ai fait mes 200 trous, je les ai fait au-dessus, en dessous, ça te fait 400 trous et je te la montre de près après. Elle est dans un super état encore. Hein. Cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, je fabriquerai des accessoires pour cette table de bridage. Donc des serre-joints adaptés, des équerres, je fabriquerai encore des butées, différents accessoires bien utiles sur ce type de table. Alors voilà, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. À très bientôt!